Bon voilà, gare de Valence TGV est passée, et bah, direction longer un peu l'Isère, on va voir ce que ça donne. Première fois que je la fais tout seul, cette 63. J'étais allé des fois autrement dans d'autres coins, mais là, bon, j'ai 87 km à faire pépère, rentrer, et puis voilà, demain une petite journée de travail. Et un jour de quelques repos, donc là, bon voilà, c'est un peu en mode détente. Un petit détour par Châteauneuf-sur-Isère, j'avais envie de le voir. Ça va sûrement me rallonger pas mal. Mais il fait beau, je suis pas pressé. J'ai pas forcément envie de rentrer très tôt à la maison, donc à un moment, il faut savoir faire plaisir. Sur Isère, pas Châteauneuf-du-Pape. Petit coin, j'adore ce genre de grès de Gnes là où la route est taillée. Ah, même la roche. Allez, on traverse l'Isère. Un des nombreux ponts à passer. Ah, une partie avant d'arriver sur Romans qui est vraiment très 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 sympa. Sur cette partie là. Ok, rejoindre le trip de l'Isère, en portant le VTT, c'est assez sport. À un moment, c'était plus très bien indiqué la V63. J'ai retraversé l'Isère en me disant ça passera peut-être par là. Et puis finalement, bah, c'était pas le bon chemin, mais j'ai continué. Je me suis pris un peu de départemental, un peu de national, mais c'est encore plus joli. Et donc là, bah, tout au GPS pour voir où je passe.
donc il faut que je fasse un petit peu gaffe, mais c'est un itinéraire qui est sympa. Ça me change de la V63 qui commençait à être monotone à force. Donc voilà, je m'oriente un peu au GPS, je traverse 2-3 trucs. Voilà, on traverse de nouveau la voie ferrée que j'avais prise, je vais reprendre à gauche bientôt. Et puis on va ça le faire tranquille. Hein. Ça change un tout petit peu, je trouve, et c'est même presque plus sympa. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas rechopé la V63, mais j'avais un doute. Voilà, un peu plus de 53 km. Même sûrement presque 60 depuis le temps. Mais en gros, il m'en reste facilement 25. Il y a presque même sûrement une trentaine, mais... pause midi à Saint-Romain. De digestion avec le fromage, c'est costaud. On y est, il ne reste plus que 25 km.